reparti pour notre prochaine étape. Là, on quitte la côte, on laisse le Lyrisse derrière nous et notre destination finale, en passant par Aos et Roche-Pina, ce sera Aos en Ker, au bord de l'Orange River à la frontière de l'Afrique du Sud. On passera la nuit et demain, on ira ensuite sur le Fish River Canyon. Donc là, on est un petit peu bon, inquiet parce que bon, pas charrié non plus, mais un front froid qui est annoncé sur la Namibie avec des températures bien fraîches. Donc on va voir ce qui se passe. Voilà. Garde-toi, si je me garde. Ouais, garde-toi, on va descendre. Génial. Génial, hein. Oui, regarde celui-là. Regarde-le. On voit qu'ils empoilent le pal bleu. Allez. 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 Ah, je les ai loupés. Oh, y a un petit gris. Ouais. Joli, hein. Ouais, ouais, le beau, oh le beau. Regarde, regarde, Julien, celui-là, c'est ce qu'il y a ici. Ouais, bien, bravo. Viens, viens. Viens, viens. Ce que nous redoutions arrive. Le front froid, on s'en est rendu compte en sortant de la voiture à Aos pour faire le check-in pour le coronavirus avant qu'il nous laisse passer. Un froid à mourir. On s'est précipité sur les doudounes et là maintenant on est en direction de Roche-Pina et là il commence à pleuvoir. Donc mauvaise limonade. On sait pas ce qu'on va faire ce soir. Hein. Je vais camper mais là. Quelques mots pour l'agence France Presse. On a encore un peu d'espoir, hein. On est à 150 km de Roche-Pina et en plus on n'est pas encore arrivé au point final. Donc... Mais bon, ça sent pas bon. Les camions ont les phares allumés, on est dans le noir complet. Arrive le vieux là. Vas-y, doucement. Alors, ça c'est la Fish River. Pas beaucoup d'eau là, cet endroit là. Alors, vos impressions, papa, pour l'AFP? Mais on a eu chaud, on s'est embourbé là, on a fait la danseuse, on a roulé un crabe. C'est compliqué, papa, la vie ici. L'hiver minéral. Joli, hein? Beau. De l'autre côté, l'Afrique du Sud, sur l'autre rive.
Donc on vient de prendre la route pour aller sur le Fish River Canyon. Donc on va voir si on peut dormir à Yaris. En espérant, parce que là on vient de se faire refouler. On devait camper, on avait prévu de camper au bord de la rivière, là, au bord de l'Orange River. Et d'aller faire un peu de kayak sur la rivière demain matin, mais ils nous ont chassés parce que en fait ils ont été réquisitionnés pour mettre les gens qui arrivent d'Afrique du Sud en quarantaine, toujours à cause de ce Covid-19. Donc là on est parti pour 60 km de piste encore, en espérant que ce soit pas le même cirque en arrivant à Yaris. Sinon on plantera notre tente n'importe où. Et puis ça, et puis voilà. Welcome to the IIS National. Bon, mais on est en mode galère. La course contre la montre se poursuit. On s'est fait jeter de IIS parce que c'était fermé. Et ils nous ont dit que le seul camp qui était ouvert, c'était au Bass. Donc, c'était à 15 km. C'était de toute façon notre destination finale. C'est le camp qui est juste à côté du Fish River Canyon. Donc, ça va, à condition qu'on arrive avant la nuit. Et là, le soleil ne va pas tarder à se coucher. Donc, si on arrive avant la nuit, tout va bien. Ou on campera, ou on prendra un chalet, on ne sait rien, on voir ce qui se passe là-bas. Et sinon, il faudra qu'on trouve un endroit pour planter notre tente. Et puis, demain matin, il fera jour, quoi. Bon, il n'y a rien de dramatique non plus, hein, mais ça fait une longue journée de route qu'on voulait éviter. C'est pour ça qu'on voulait camper près de l'Orange River, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc voilà. Bon, la suite au prochain épisode, hein, on vous racontera si on arrive ou si on n'y arrive pas, ou enfin bref. Mais de toute façon, demain matin, on sera au Fish River Canyon, quoi qu'il arrive, donc tout va bien.